Un DVD. Michael Kiroga a des choses à vous dire, Patrick Sébastien. Non, mais alors... je ne parle pas aux gens de couleur. Désolé. L'enfoiré. Ça se fait pas. Non, mais c'est de la radio, ils ne pouvaient pas savoir. Oui, il faut savoir que je suis antillais, donc un petit peu. Tu es anti quoi? Je suis antillais. Antillais. Tu es Martinique ou Guadeloupe? Martinique. Oh putain. Prêcheur, t'as envie d'y aller. Mais hein. Quel bonheur. Mais ils me demandent d'y aller. Ça fait 20 fois qu'ils me demandent d'y aller. Bah, tu moi, j'ai tourné pendant des années avec la compagnie créole, mes potes. Qu'est-ce que ça picolait. Et vous êtes sorti avec la compagnie créole aussi, non? Comment je suis sorti? Toute la compagnie, toute la compagnie. Non, je sais gourmand, pas. Le Patrick. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, alors... enfin, si vous allez là-bas, la vanne sur je parle pas aux gens de couleur, vous la faites pas. Hein. Donc, alors, bonjour monsieur Sébastien, ou plutôt bonjour Patrick, et même si vous me le permettez, bonjour Patoche. Patoche, voilà, parce que non, je suis content de vous voir, parce qu'au-delà de l'artiste, depuis longtemps, moi je vous aime bien, j'aime l'humaniste. Vous ne hurlez jamais avec les loups. Moi, je me souviens de ce que vous aviez dit sur Gérard Depardieu, par exemple, alors que tout le monde le critique, vous avez dit il a plein de défauts, et ben c'est bien. Moi, j'aime les gens qui ont des défauts. Exactement. Voilà, et ben c'est cool. En plus, si vous aimez vraiment les défauts, j'ai toutes les raisons de penser que vous allez m'adorer. Alors, je vous avoue que quand on m'a dit que j'allais faire votre chronique, j'ai eu une petite montée d'angoisse parce que venir faire des vannes comme ça devant un mec qui vient de perdre son taf, c'est chaud. Le dernier que j'ai vu faire ça, c'est le président Macron et ça s'est passé moyen. Mais sinon, vraiment, je me réjouis de croiser Patrick Sébastien, l'imitateur, humoriste, chanteur, acteur, auteur, réalisateur, producteur, fabricant d'émissions. Mais ce qu'on préfère tous ici, c'est le philosophe. Le philosophe qui a parfaitement su restituer le sentiment profond du peuple français. Sauf le respect que je vous dois, il faut bien que je vous dise que vous nous cassez les noix. Eh ouais, quelques... C'est philosophique. En tout cas, ils ont l'air d'accord. C'est la pensée du... Tu sais que la pensée du peuple est pas loin de ça. Eh ben oui, je sais. Alors, quelle que soit la question, de toute façon, d'ailleurs, on peut trouver une réponse dans la discographie de Patrick. En ce moment, par exemple, avec tout ce qui se passe, je suis sûr qu'ici, on se demande tous qu'est-ce qu'on va devenir, que nous réserve l'avenir. Eh ben, j'écoute Patrick Sébastien. Et j'ai la réponse. On va finir à poil ce soir. On va finir à poil. J'adore celle-là. Ah, moi je l'adore aussi. Ah, elle fait un peu Begin, elle fait un peu chez elle moi. Elle fait Begin, et puis quand on la met dans les boîtes, normalement on commence à billon, et ça finit à poil. Voilà. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc il est proche des anonymes, certes, mais pas seulement. Il s'est aussi penché sur les misères de personnages plus connus, comme la patronne, notre Anne nationale. Il a même fait une chanson sur les petits malheurs. J'adore ta voix. J'adore sa voix. Ah bah tant mieux. J'aime beaucoup ce que vous dites. Alors comme donc notre patronne, notre Anne nationale, il a même fait une chanson sur les petits malheurs d'Anne Roumanoff. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a fait tous les régimes. Elle rentre plus dans son jean. Voilà, ça c'est la petite partie biographique, hein, Patrick Sébastien. Ça s'appelait le popotin, la chanson. Voilà. Je ne cautionne pas du tout. Moi non plus. Hein, moi non plus. Patrick Sébastien, c'est un artiste qui avance sans autre ambition que celle de distraire ses contemporains, même si pour le moment vous n'êtes plus à la télé. Pour vous, il y a beaucoup de travail en perspective. Vous êtes de retour sur scène. Il y a aussi un nouvel album, des chansons à texte. Le nouveau bouquin d'entretien avec les deux journalistes s'enchaîne. Ça s'appelle « Et dès que j'ai commencé à lire, j'ai été captivé ». Première page du prologue, on peut lire ces mots texto. Pour la première fois, le saltimbanque le plus populaire de France est vraiment mis à nu par des journalistes, longuement, lentement, profondément, pendant des heures, et des heures, et des jours, hein, et des jours. Ça, bon, c'est très drôle. J'avoue, la musique, c'était dans ma tête, mais quand même, dès la première page... C'est les vraies paroles, ouais. Je tiens à le dire, c'est écrit comme ça. Donc voilà, la musique, c'était dans ma tête, c'est vrai, mais quand même, dès la première page, j'étais obligé de faire une petite pause parce que je commençais à être un petit peu excité. Donc en tout cas, vous êtes là et bien là, vous n'êtes pas encore mort. Même si vous avez tout prévu à cet égard, vous avez demandé même qu'on inscrive sur votre pierre tombale parmi les derniers mots de Brel qui disait si vous 10 minutes avant de mourir. 10 minutes avant de mourir, il a dit si vous m'aimez, fermez vos gueules. Ouais. Alors puisqu'on vous aime, ben, je crois que c'est le moment pour moi. Magnifique. Vachement bien ce qu'il a fait, le gamin. Hein.